Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, on va voir comment transposer au piano une chanson dans un style pop variété ballade relativement simple que vous devez accompagner. Admettons, vous accompagnez un chanteur, une chanteuse sur un morceau pop du moment et le chanteur ou la chanteuse vous dit bah, c'est trop haut ou c'est trop bas pour moi, j'arrive pas à chanter, ma voix ne sort pas. Est-ce que tu peux transposer le morceau dans une autre tonalité? Comment faire? Alors vous avez la première possibilité qui consisterait à appuyer sur la touche transpose, c'est-à-dire que ça va transposer votre morceau sans que vous ayez besoin de changer les accords que vous jouez. Mais ça, c'est vraiment de la triche. Vous n'allez jamais progresser, vous ne serez pas fier de vous. Et voilà, sur le long terme, ça ne le fait pas du tout. Vous n'allez jamais progresser au piano. Donc il faut savoir transposer dans toutes les tonalités. C'est dans plein de cas de figure très important de savoir le faire parce que ça va vous arriver de devoir changer de tonalité. Donc pour ça, il faut apprendre toutes les gammes majeures et tous les accords qui font partie de chaque tonalité. Par exemple, si on prend Do majeur. Vous savez qu'à partir de chaque note, on a des accords que l'on peut former. Sur le Do, que l'on appellera le premier degré, on va former un accord majeur. Sur la deuxième note, le Ré, on va former un accord mineur. Donc Ré mineur. Sur le troisième degré, on va former un accord mineur. Mi mineur ici. Sur le quatrième degré, on va former un accord majeur, Fa majeur pour la tonalité de Do majeur. Sur le cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5, on va former un accord majeur, Sol majeur. Sur le sixième degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va former un accord mineur, La mineur. Et le septième degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va former un accord mineur bémol 5 ou diminué, mais enfin c'est plus juste de dire mineur bémol 5. Donc ça va être le degré 1. Première note de la gamme. Degré 2, degré 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez que les chansons ne sont qu'une suite d'accords qui s'enchaînent au sein d'une même tonalité. Donc si vous avez un morceau en Do majeur, vous allez avoir un enchaînement d'accords qui va être basé sur les accords d'une même tonalité, de la tonalité de Do majeur. Admettons, prenons un exemple, vous avez une chanson où les accords c'est Do, on va dire ensuite Sol, Sol majeur, La mineur, et Fa. Voilà, il y a plein de chansons qui sont basées sur cette suite d'accords-là. Donc admettons, voilà, il y a une mélodie qui est chantée sur ces accords-là. Et vous accompagnez la grille, les accords. Bon, maintenant, il faut transposer le morceau, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de repérer quels sont les degrés qui sont joués là. Lorsqu'on joue le Do, on joue le premier degré. Alors, il faut savoir bien sûr en quelle tonalité on est, hein. Ça, c'est pas compliqué. Donc là, premier degré, Do majeur. Ok, maintenant on joue le Sol. Sol, c'est quel degré? 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cinquième degré. Ensuite, donc on fait 1, 5. Ok, maintenant on joue La mineur. Donc La mineur, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le sixième degré. Et ensuite, on joue le Fa. 1, 2, 3, 4, quatrième degré. En gros, on joue les degrés 1, 5, 6, 4. Eh bien, c'est bon, c'est gagné. Admettons maintenant. Il va falloir que vous transposiez le morceau en tonalité de Fa majeur. Donc Fa majeur, on va construire une gamme majeure à partir de Fa et on va ainsi obtenir la gamme de Fa majeur. Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Il y a un bémol à la clé. Donc il va falloir connaître toutes les gammes majeures dans toutes les tonalités, hein, à partir de chaque note. Et puis, dans un second temps, les gammes mineures aussi pour les morceaux mineurs. Mais déjà, si vous savez transposer dans toutes les tonalités, dans les tonalités majeures, vous êtes paré pour pouvoir transposer beaucoup de chansons pop actuelles, variété ballade, on va dire. Donc, et voilà, même pas forcément ballade, hein, mais toutes les chansons de variété actuelles. Donc, maintenant qu'on est en Fa majeur, le premier degré, du coup, c'est Fa maintenant. Le second degré, c'est Sol. Le troisième, c'est La. Le quatrième, c'est Si bémol. Le cinquième, c'est Do. Le sixième, c'est Ré. Le septième, c'est Mi. Et on va pouvoir construire des accords à partir, eh bien, de chaque notes de la gamme, et évidemment, on va respecter lorsqu'on va construire les accords. Hein. Donc, si vous savez pas construire les accords, ben, vous allez trouver une vidéo quelque part sur le net pour apprendre à construire les accords. Donc, il va falloir construire les accords en tenant compte évidemment des altérations de la gamme. Là, on a un bémol à la clé, donc on va construire un accord de Fa et la couleur sera majeure, tout comme lorsqu'on était en tonalité de Do, le premier degré Do était majeur. Ensuite, deuxième degré, on va construire un accord de Sol mineur. Donc on prend des tierces, on construit des accords, hein, vous savez, en superposition de tierces, et on prend évidemment les tierces naturelles à la gamme, donc on va inclure ici le si bémol,
Parce que si je prends la tierce ici, c'est faux. C'est pas un si bémol dans la tonalité de fa majeur. Donc sol mineur, ok. Ensuite, la mineur, troisième degré. Quatrième degré, si bémol majeur. Cinquième degré, do majeur. Ré mineur, c'est le sixième degré. Et puis, mi mineur bémol 5, c'est le septième degré. Donc, pour transposer le morceau, il suffit de jouer les mêmes degrés dans cette nouvelle tonalité. Donc on avait 1, 5, 6, 4. Donc premier degré, fa majeur. Ensuite, cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5, do majeur. Ensuite, sixième degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ré mineur. Et quatrième degré, 1, 2, 3, 4, si bémol majeur. Et c'est bon, on a transposé le morceau. Donc 1, 5, 6 et 4. Voilà. Donc, en fait, vous pourriez dire, ce morceau, c'est 1, 5, 6, 4 en tonalité de do majeur, ou de ré majeur, ou de mi majeur, etc., etc. Donc, bien sûr, il va falloir connaître toutes les gammes majeures. Donc, ça, vous vous entraînez à les construire. Donc, bah, forcément, elles sont au nombre de 12, hein. Et une fois que vous connaissez toutes les gammes majeures, vous construisez tous les accords qui sont issus de chaque tonalité et vous savez transposer un morceau. Et si vous voulez aller plus loin, donc pour apprendre à accompagner, improviser dans différents styles au piano, je vous mets le lien de mon site qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Vous pourrez ainsi progresser plus vite. Et je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.